Allez, bonjour tout le monde, et ici c'est Landron pour le 23e épisode de mon Let's Play sur le jeu sport, saison 2. Alors, je vous avais essayé la dernière fois, on avait acheté un Ruin Planet, donc un gros machin qui fait tout kaboum. C'est l'étoile de la mort d'un sport, et donc j'avais dit qu'on allait se balader, se diriger doucement vers le centre de la galaxie, pour aller trouver des nouveaux empires, voir s'ils pouvaient pas me donner des aventures, ce qui pourrait être très sympa. Et s'ils m'embêtent, de les détruire à coup de Ruin Planet. Alors, on va rentrer sur la planète parce que là, il y a en avoir un truc. Alors, dis-moi où il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose. C'est le buste de Bradford. Hop. Ah si, je sais ce que j'ai oublié de faire avant de partir. Terraformer, non. Ah. Ah, ça y est, j'ai le badge maximum, le titre d'omnipotent. Ça y est, tout fini. C'est tout fini. Enfin, au niveau de la... Ouh, il y a un gros truc là. Oui. J'ai obtenu le maximum de la barre. Donc c'est pas, ça veut pas dire que j'ai obtenu tous les badges, hein, loin de là, mais ça veut dire que j'ai obtenu une bonne partie des badges, que j'en ai obtenu un bon paquet. Alors, faut juste que je me ravitaille avant de partir et que j'aille chercher les épices violettes que j'ai sur mes différentes planètes. Comme ça, je pourrais les dépenser si je trouve des vendeurs, des acheteurs potentiels d'épices violettes. Surtout que là, j'en avoir 80. C'est assez faramineux. Toc, un petit peu d'épices bleues. Ça, si je trouve des bons acheteurs d'épices bleues aussi, c'est pareil. Ils vont passer à la caisse. Au niveau des packs énergie, j'ai un pack énergie maxi, j'en ai 3, et des packs de santé, j'en ai quelques-uns. Oui, normalement ça devrait aller pour se diriger vers le centre de la galaxie un petit peu. Je pense qu'on ça sera pour le prochain épisode, parce que là on va d'abord chercher de nouvelles civilisations. Ou un empire, surtout qu'ils ont l'air d'être des vendeurs. On va aller voir ça. En plus, si on peut trouver des artefacts. Ok. Ok. Donc non, pas d'aventure. J'aimerais vraiment trouver d'autres aventures, quoi. Là-bas, il y a une étoile bien brillante. Ah non, c'est un trou noir. On va passer par là, on va voir ce qu'il y a. S'il n'y a pas des étoiles un peu bizarres. Tiens, on va mettre les endroits que j'ai déjà visités. Ah tiens, il y a quelqu'un là. Il y a un double soleil. C'est toujours sympa de voir des formations galactiques rares. Alors, est-ce que vous me donnez pas une aventure peut-être? J'ai l'impression d'être un désespéré quand même. Ok, non. Ils ont pas. Bah, il y a l'air de... Ah non, j'ai cru qu'il y avait deux planètes. Enfin, il y avait deux étoiles bleues dans le même système. Mais en fait, non, c'était juste qu'elles étaient collées. Alors, il semblerait qu'il y ait quelque chose. C'est que de la flotte, cette planète, ou presque. Ah ah, je trouve des objets bien sympathiques un peu partout. C'est très bien. Donc on va aller un peu voir ailleurs.
Alors là, est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux empires? Ah, si. Allons voir ça. Alors, eux, ils veulent pas que je commerce avec vous. Ok, ils ont pas de... Ils ont pas d'aventure non plus, du coup j'ai juste envie de faire leur internet parce qu'ils veulent pas commercer avec moi, ils sont pas sympas. En plus ils sont une couleur de moche, violet comme ça. Donc je vais vous montrer ce que fait leur internet. On va se poser par là. Voilà. Allez, go! C'est parti. Ça part, hein. Boum. Bien tout détruit là, la planète qui se fait bien défoncer. Il n'y en a même plus du tout. Et c'est donc ça leur internet. Sauf que du coup j'ai plein d'empires copains qui vont gueuler parce que c'est comme quand on utilise l'arme atomique. Oula non, même pas c'est... Ah oui mais carrément les mecs. Oula, vous énervez pas. Ah bah dis donc, je pensais pas que ça énerverait tout le monde sur les côtés. Bah si, il semblerait. Dommage, j'avais peut-être des aventures potentielles. Je me suis un peu planté pour le coup. Alors vous, vous êtes déjà content de me voir, ce qui est déjà pas mal. Ouais, c'est pas super épice à ce niveau-là. Non, ils ont pas d'aventure. Ce qui m'embête toujours un peu. On va aller voir par là. Ah là, il y a quelque chose. Je suis carrément dessus là. Ouais, je sais... Ah non, j'étais pas sur la bonne planète en fait. Je sais qu'il y a une... Il y a des attaques chez moi. Forcément qu'il y a des attaques chez moi. J'ai déclaré la guerre à plein de... À plein d'empires en même temps. Ok, pas grand chose non plus. Ok. Donc toujours pas... Ah zut, il y avait quelque chose sur cette planète. Toujours pas d'aventure, ce qui m'énerve un peu quand même. J'ai envie de dire... Je pense qu'il y en aurait plus si j'avais connecté le jeu à la Sportpedia. Mais comme j'ai pas pu le faire... Et que j'ai un peu la flemme de racheter un jeu. Pas que ça coûte très cher maintenant, mais bon. Ça m'embête un peu. Parce que EA et ses... Et son bordel... Au niveau des comptes et de connexion, c'est n'importe quoi. Alors... Non, on recherche une plante, c'est bon. La plante, tu te la mets où je pense. J'en ai marre. Ah ah, là il y a un autre empire. Il y a aussi quelque chose sur cette planète. Ah oui, par contre, ils sont pas sympas. Ils recherchent une plante. Ah voilà, c'est carrément juste à côté, quoi. Et, oh. Voilà. Une géode bleue et je vais finir par récupérer un maximum de d'objets en fait hein. Alors j'ai 2 pierres de vie, 2 fossiles rares, 6 objets galactiques, 4 géodes rares, 5 joyaux rares, 1 relique rare, 3 livres de science, statue rare j'en ai 3, table de prospérité j'en ai 1, pierre de forge j'en ai 1 et 2 manuscrits de la foi et il reste un truc. Ah non, en fait j'en ai pas tant que ça. Pas abusé non plus. Il reste quand même un petit paquet à trouver. Ah, il y a quelque chose. Peut-être que je me ravitaille. Eh, hey, il y a encore quelque chose. Toc, je vais me ravitailler. Évidemment, t'as pas d'aventure. Oh, que ça m'embête. Allez.
Hey, encore quelque chose. C'est quoi ça? Manuscrit de l'ordre 2. Ah bah du coup, je crois que celui-là, je l'avais pas. Et c'est très bien. Alors, ami à deux. Toc, on va vendre. Toujours pas d'aventure. Ah, c'est pas grave. Toc, on va avancer. Voilà, on avance. Doucement, mais sûrement. Ah, là, il y a quelque chose. Et hé, il y a des commerçants là. Par contre, je suis pas sûr que ce soit les mêmes. Et hé, à chaque fois que j'ai dans un système, il y a toujours quelque chose, c'est bien. Bon, par contre, si vous pouvez m'acheter mes épices un peu plus. Non, ils veulent faire un équilibrage là. Un peu la flemme. Alors. Qu'est-ce qu'il y a sur cette planète? Il n'y a rien. Ah. Oh, oh, encore un objet rare. Buste de Yaman. Je crois que j'avais déjà celui-là. Ah non, j'avais pas, je crois. Je ne l'avais point. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Alors, il n'y avait pas... Ah si, voilà. Ici. Oh, génial. Il y a encore des trucs à vendre. Toujours pas. Peut-être qu'un jour ils me fileront des aventures, mais c'est pas de mal à veiller, il semblerait. Alors, toc. On dirait une autre statue aussi. Ah non, c'est une opale. Toc. Voilà. En plus, on gagne des sous en faisant ça. Allez, on continue d'avancer. Ah ah, un autre empire. Ouh, alors là ça se vend bien, ça se vend super bien. Bon, pas autant, c'est pas à 73 000 comme d'habitude. La vie des plantes, mais j'en fous de la vie des plantes. Incroyable, il n'y a que des botanistes dans le coin, c'est un truc de fou. Des jardiniers, c'est une galaxie composée exclusivement de jardiniers en fait. C'est un peu n'importe quoi. Aha. Maintenant faut que j'essaie de fourguer mon épice bleue. Ok, toujours pas d'aventure. Alors. Qu'est-ce que donc? Encore un truc rare. Manuscrit de Todd, qui fait partie des tyroliques rares. Je crois que j'avais déjà celui-là. Ah non. Ok. Alors, on va voir ailleurs. Eh ben, on en croise beaucoup des empires. Hein. Ville 4, c'est quoi ce nom? Quoi? Ougaraptor? D'accord, Ougaraptor. Empire Ougaraptor, oui, pourquoi pas. Ah non, 66 à vendre ça, mais c'est n'importe quoi. Ok, d'accord. Toujours pas d'aventure. Peut-être qu'il n'y en a plus, tout simplement. Ce qui est fort dommage, si c'est le cas. En tout cas, ça nous fait voir un peu du pays. On trouve des reliques. On voit des gens-gens. La planète, machin. Oh non mais, t'es sérieux, je vais pas obtenir une transmission de là-bas. Enfin si, je peux revenir, mais enfin... J'ai pas envie de faire le retour.
Kurnia. Coucou. Non, toujours pas. Toujours pas. Bon, et ben on va se diriger doucement vers le centre de la galaxie, je pense, parce que je commence à en avoir un peu marre de rencontrer des empires qui ne me fichent jamais d'aventure. On va en faire un dernier. Allez, un petit dernier pour la route, et ensuite on va se diriger vers le centre de la galaxie. Bah non. Toujours pas. Bon, bah on va aller voir ailleurs. À quoi que, il faudrait peut-être que je me ravitaille d'abord. On va essayer de se trouver un petit empire sympatoche quelque part par là qui puisse me ravitailler. Non, on va finir par y arriver, c'est celle-là. Ah, en plus il y a quelque chose. D'abord aller voir ce qu'il y a sur cette planète. Ensuite on ira demander. Alors, c'est quoi ça? Le super vieux pot d'argile. C'est quoi ce truc? Tu fais partie de quoi? Des 10 reliques rares. Cet amphore en céramique à 2 ans, c'est dans le plus vieux style arcadien. Elle existe en 3 coloris, marron clair, marron et marron foncé. Oh la vache, il se faisait vraiment chier quand même certains développeurs. Ah oui. Alors, l'Empire Kriegel. On vend ça. On vend ça aussi. Tac. Est-ce que ça se vend pas mal? Ouais, ça se vend pas mal. De toute façon, j'en ai plein. Ah oui, vous n'aurez pas une petite aventure? Non. C'est bon, j'abandonne au niveau des aventures. On va aller se diriger vers le centre de la galaxie. Une étoile en rose. Elle est rose, celle-là. Ah non, donnait l'impression que c'était rose, mais non, en fait, il n'y avait que des... Il y avait juste 2 étoiles... 2 petites étoiles. Trouver une formation galactique rare, ce qui est sympa. J'ai pas trouvé de planète enchantée encore. Je crois que j'en avais trouvé qu'une seule sur tout le temps où j'ai joué à ce jeu. Une autre formation galactique rare. En fait, il faut repérer les couleurs de système un peu différentes. C'est pas facile parfois. Hein. Alors, on va se rapprocher du centre de la galaxie, là, je pense. Et j'ai encore oublié de me ravitailler, ce qui est dingue. Putain, c'est encore moi. Énorme. D'accord. Pas de mission, encore une fois. Bon. On en est à où du centre de la galaxie? Ah, on n'est pas si loin que ça, en fait. Hein. On dirait qu'il y a 2 étoiles. Yes! C'est quoi touriste en fait? Touriste. J'ai eu touriste 3. 40 découvertes cosmiques. C'est pas mal. Alors, il y a quelque chose, il semblerait. Eh hé! Le bloc du hasard, volume 4, qui fait partie des 10 blocs de chance. Ah, je crois qu'on les avait pas trouvés encore ceux-là. Nous n'avons pas de mission, pas de valeur, pas de but à atteindre. La vie n'est qu'une vaste blague. Ouh, et ben il y en avait un qui était dépressif hein, au moment où il a écrit ça. Et c'est qui m'envoie ça? Ouais, c'est ça. Ah, ça fait 20 minutes. Et ben, ce que je vous propose, c'est qu'on va se poser ici. On va voir l'Empire Rompé... L'Empire Croc...
Crocobdou, et on va arrêter là pour cet épisode. Ouais, surtout qu'ils n'ont pas d'aventure. On va arrêter là pour cet épisode, et dans le prochain épisode, on va se diriger vers le centre de la galaxie. Et peut-être qu'on va se faire défoncer par les Grox, c'est fort possible. Allez, et ben je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, etc. etc. Et puis à la prochaine, salut à tous !